D'abord, il va nous falloir une brosse, un peigne et de trois élastiques. Voilà. Alors nous allons commencer, nous allons coiffer les cheveux. Je viens prendre le peigne et au bout là, je viens faire une raie droite. Nous avons fait ça, nous venons attacher le rond. Donc, on va attacher le rond, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Après, moi, je vais partir du nez et faire la raie du nez. Donc voilà le peigne. Et, il ressort de l'autre côté. Là. Donc là, c'est la raie. Alors je vais pouvoir enlever l'élastique. Mais j'ai juste mis l'élastique pour que on garde la raie là. On a fait en dessous. Attacher une partie. Avec un élastique, je viens attacher la première partie.
se leva. Suivre la règle que nous avons fait au milieu. Nous allons la suivre. Et séparer le bon en deux parties. Alors, une partie on vient l'attacher. Maintenant, avec la couette, nous allons séparer la couette en trois morceaux. Puis commencer en mode normal. Ensuite, on va commencer en attaque. Jusqu'à ce que du côté il n'y a plus de cheveux pour faire une natte africaine. Et ensuite, on termine en natte normale. Je viens détacher le côté pour avoir l'élastique. Et je l'attache. Alors là, nous allons faire l'autre côté. Voilà.
qu'on commence par une normale. On compte ses parents 3. Ensuite, on commence par une normale. Commencer en attaque bleue. Donc, ici votre trait pour séparer le crâne comme ça là, est droite. Normalement, vous commencez la natte africaine au même endroit que les deux. Donc, les deux ils commencent au même endroit. Et quand j'ai terminé la note africaine, je termine en note normale. Donc normalement, au milieu de la tête, ça doit faire une croix. Avec les deux raies qu'on a fait, ça doit faire une croix. Ensuite, je viens attacher. Alors la coiffure est terminée. Donc on espère que ça vous aura plu. Donc comme j'ai dit, normalement, si vous avez bien fait les raies, vous obtenez une croix. Voilà. Donc avec les deux couettes et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.